Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eregem Talk. On est sur l'épisode 4 avec Solène. Pour un petit rappel d'intention, donc l'Eregem Talk, c'est une série d'interviews qui est destinée à capter un maximum d'informations de différents acteurs qui sont engagés sur les sujets proches ou complètement intégrés dans une démarche régénérative. L'intention derrière ça, ben, c'est de venir un petit peu changer le fonctionnement de notre petite société, notre petite humanité, pour le meilleur, et justement pour éviter le pire. Et donc dans cette série, on a plein de profils différents, il y a des dirigeants, il y a des accompagnants, et toi Solène, du coup, je crois que tu fais partie de ceux qui sont plutôt des explorateurs déjà de comment est-ce qu'on peut se régénérer soi, et puis ensuite comment est-ce qu'on peut aider les autres à se régénérer personnellement. Mais je te laisse te présenter, ça sera beaucoup plus Ouais. pertinent que mon Alors, prisme à moi. professionnellement, ce que je fais depuis 5 ans maintenant, donc j'ai cofondé Medibé et chez Medibé, on accompagne les entreprises, les organisations dans des démarches de transformation autour des sujets d'impact environnementaux et sociaux. Et surtout, on fait ça dans des démarches participatives et au travers du processus d'intelligence collective pour vraiment mettre en action les équipes dans les entreprises, dans les organisations, on va dire au cœur de la définition des plans de transformation et aussi pour s'assurer que ces plans de transformation aboutissent et soient portés du coup des études qui sont conscientes, sensibilisées, impliquées. Depuis 2 ans, je suis impliquée dans la convention des entreprises pour le climat en tant que coach facilitatrice. C'est un terme qui a été créé au sein de la convention. La convention, tu veux que je décrive un petit peu ce que c'est comme mouvement? Parce que je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. Ouais, tu peux un petit peu, il n'y a pas forcément tout le monde qui connaîtra, donc avec Ouais. plaisir, ouais. Donc, la Convention des entreprises pour le climat, ça a été créé en 2021 au niveau national. En fait, c'est parti d'une initiative de quelques personnes, les cofondateurs, ou les cofondateurs sont Éric Duverger, Yannick Servan notamment, qui se sont dit, inspirés par la Convention citoyenne pour le climat, on peut initier un mouvement similaire dans le monde de l'entreprise, où on viserait à sensibiliser, former, informer un maximum de dirigeants pour les amener à mettre en place une feuille de route de transformation. Et donc voilà, ils ont monté un premier parcours qui a eu lieu en 2021-2022 avec 150 entreprises au niveau national. Les 150 entreprises, elles étaient représentées par 2 personnes, le dirigeant ou la dirigeante et ce qu'on appelle un planet champion, donc une personne qui est plus opérationnel ou entreprise sur le sujet des oublis d'impact, RSE, etc. Et la convention, son objectif, c'est de permettre aux entreprises de sortir avec une feuille de route, donc c'est un parcours long, hein, d'une dizaine de mois, avec plusieurs sessions, et donc ça vise à faire émerger une feuille de route pour l'entreprise qui soit à visée régénérative. Et donc j'en viens ici à un réunion avec l'entreprise régénérative, parce que du coup, et pour moi, c'était par rapport au cheminement que j'ai eu depuis 5 ans avec Milibé. J'étais dans des accompagnements plutôt autour des sujets, on va dire, d'impact positif, d'impact durable, de voir comment on pouvait aller vers des démarches ambitieuses de transformation de modèles d'affaires. Mais quand j'ai vu apparaître la convention et cette dimension de visée régénérative, pour moi, ça a fait sens de m'orienter vers ça, vers ce mouvement, parce que, effectivement, aujourd'hui, on est dans un système où on sait, par les informations scientifiques qu'on a, les limites planétaires qui aussi l'équilibre de vie sur Terre sont mises à mal, affaiblies, et du coup, on a une nécessité de revenir à des systèmes économiques, des modes de vie, etc., qui permettent de régénérer, donc plus simplement d'affaiblir les pressions sur ces limites planétaires, mais de régénérer en fait les systèmes qui régulent la vie sur Terre. Et puis sur le plan humain aussi, parce que tout est lié et que de toute façon, il n'y a pas de société qui peut, on va dire, s'atteler à ce sujet, ce si vaste sujet de la régénération au niveau des limites planétaires, si la société n'est pas aussi, on va dire, capable de robustesse et donc capable de bien, de solidarité, etc.
Donc, la dimension sociale et environnementale sont liées, et dans cette perspective de régénération. Donc, le mouvement de la CEC continue hein, depuis 2 ans, 3 ans. Suite à cette édition nationale, il y a eu une démultiplication des éditions au niveau territorial. Donc, il y a plusieurs CEC qui sont en cours. Et donc, moi, je suis basée à Grenoble. Et je suis dans la Convention des entreprises pour le climat Alpes. J'ai fait le parcours de l'année dernière et je suis très investie dans le parcours de cette année en tant que COFA et aussi je pilote la dimension intelligence collective et le team de COFA au niveau de la CEC App. Donc voilà un peu ce que je fais au niveau professionnel. J'ai pas arrêté hein, mon activité chez Mélibé, ça c'est une activité en parallèle que je mets pour la Convention des entreprises pour le climat. Et du coup, forcément, d'aller sur tous ces sujets de régénératif au niveau de l'entreprise, ça m'a aussi fait cheminer moi. Mais si j'y suis allée, c'était aussi parce que j'avais, on va dire, des graines en moi de choses qui germaient déjà sur ces dimensions un peu d'écologie intérieure, d'écologie profonde, comment en fait on est. Dans un mode de vie aussi personnel, on chemine et moi je me suis vraiment à la fois outillée, inspirée de par mes expériences professionnelles, mais c'est aussi parce que sur le plan personnel, je me suis tournée vers des pratiques qui m'ont amenée à penser aussi à ma régénération à moi, que voilà, j'ai lié, on va dire, ces deux dimensions. Super. Et comment est-ce que tu arrives à relier, comme tu disais tout à l'heure, le sujet du régénératif? Il y a quelque chose de très large et de très sociétal et de très massif. Et puis, il y a nous, chaque individu, avec le point là où il est et les actions qu'il peut faire. Donc, tu dis, il y a la partie personnelle, donc se régénérer soi, donc ça passe par plein de choses. Et puis après, ça passe par ce qu'on essaie de faire par rapport au monde, quoi. Et donc, forcément, des fois, ça paraît un tout petit peu petit quand on accompagne juste une entreprise, des fois même pas sur le sujet complet de la régénération d'entreprise, mais juste sur une petite partie de ça. Comment est-ce que toi, tu arrives à vivre avec ça et à naviguer là-dedans? Parce que j'ai l'impression, en tout cas, que c'est toujours une difficulté de se positionner là-dedans pour les différents acteurs qui sont engagés dans les sujets. Parce que mine de rien, on a l'impression des fois d'être trop petit et du coup, ça peut décourager. Ou des fois, on a des grandes ambitions, mais on va être frustré parce qu'en fait, on n'arrive pas vraiment à avoir l'impact qu'on aurait envie d'avoir. Des fois, on va se dire, j'y arriverai pas. Du coup, on repart vraiment juste sur la régénération personnelle et puis on va se mettre dans un petit coin de nature et puis on prend déjà soin de soi et de sa famille et c'est déjà pas si mal. Comment est-ce que toi, tu arrives à te positionner là-dedans? Je dirais que c'est fluctuant parce que c'est vivant, tout ça. Il y a des moments où je me sens, notamment, c'est aussi tout le sens d'être engagé dans un collectif comme la Convention, c'est que on est un collectif de plusieurs professionnels qui accompagnent les entreprises dans cette démarche à visée régénérative. Comme je te disais, il y a plusieurs conventions territoriales et il y a des conventions aussi dans des secteurs d'activité. Donc, sentir que ce n'est pas juste un petit accompagnement sur une entreprise qui est même petite dans tout ce système, déjà ça, moi, ça donne pour moi beaucoup de sens à mon action. Et au fait que... certes, même si on accompagne 200, 300 entreprises avec la convention sur le territoire Rhône-Alpin, c'est un peu plus que si moi je faisais les choses toute seule. C'est pas tant que ça par rapport au lien de milliers d'entreprises qui ne sont pas. Et en même temps, je pense, moi je me rattache à l'idée que tout ça c'est un système. Et en fait, quand il y a des acteurs qui se bougent dans le système, ça en fait bouger d'autres. Et bien évidemment, c'est long, c'est lent, c'est trop lent par rapport à ça. C'est parce qu'on est que le répéter, c'est trop lent par rapport à l'urgence dans laquelle on est et on va dire par rapport à la façon dont on voit le climat se dérègle, la biodiversité se dégrade, etc. Mais pour autant, je pense qu'il y a quand même des
des choses qui sont en place et qui poussent et qui, et que quand il y a des éléments du système qui bougent, ça en fait bouger d'autres. S'il y a une entreprise qui évolue, elle va questionner ses clients, ses fournisseurs, ses collaborateurs, qui eux-mêmes vont questionner finalement d'autres personnes, etc. Et ça fait bouger des fresques. Donc ça, c'est un des choses auxquelles je me rattache. Et deuxième chose, parfois, dans les accompagnements peut-être que je vais plutôt mener au niveau de Mélibé, de mon activité Mélibé, il y a des moments où, effectivement, hein, je me sens... j'ai une associée, on est deux, et on travaille parfois avec d'autres partenaires. On se sent... on se dit, voilà, ça ne pousse pas les entreprises assez loin. L'ambition qu'elle se donne n'est pas suffisamment forte, etc. Et en même temps, plus ça va, et plus je me dis, en fait, ça ne peut être qu'une histoire d'étape. On ne peut pas franchir il y a des entreprises qui partent de, on va dire, une maturité zéro sur ces sujets-là. Elles ne peuvent pas aller du jour au lendemain, justement, dans l'excellence de la dimension régénérative. Et d'ailleurs, de toute façon, si je repars vraiment sur ce prisme du régénératif, il n'y a pas d'entreprise qui atteint un état d'un prisme complètement régénératif aujourd'hui. On est vraiment dans une visée, dans un chemin, avec des dimensions de régénération qui apparaissent à des endroits de l'entreprise, parce qu'elles cherchent, en fait, ces entreprises qui sont venues, elles cherchent ces modèles-là. Donc, pour celles qui sont, j'ai envie de dire, au niveau de maturité zéro, le chemin est long. Donc, en fait, à force de travailler aussi sur mes frustrations, j'ai aussi compris que c'était vraiment des étapes et des graines qui se semaient parmi les humains qu'on accompagne et que ça germe lentement. Voilà. Mais du coup, j'ai quand même une frustration qui est là. Et en même temps, je préfère agir et être de ce côté de l'histoire que de me dire je me retire et de toute façon, comme c'est trop lent, il n'y a rien à faire parce que je vois quand même aussi. Des choses qui ont évolué depuis 5 ans, honnêtement, par rapport à ce que, quand j'ai commencé sur ces sujets-là, on n'est pas du tout les mêmes discours dans ce prisme. Et vu que ça a l'air d'être une grosse partie de ton activité qui te porte et qui t'anime, la CEC, je voulais savoir, est-ce que le fait, parce que la CEC, du coup, si je le rappelle comme tu le disais, c'est tout un parcours sur plusieurs mois de sensibilisation qui est censé aboutir sur une feuille de route, du moins un début de feuille de route, qui ensuite devient l'objet principal pour dire maintenant qu'on a à peu près des lignes sur lesquelles on doit faire des changements et avancer, du coup, ça devient un peu un plan d'action et derrière, il va falloir réussir à le dérouler. Est-ce que toi, c'est satisfaisant pour toi déjà, c'est déjà énorme hein, d'accompagner jusqu'à cette feuille de route, cette première feuille de route. Est-ce que c'est satisfaisant pour toi? Première question. Et deuxième question liée à ça, c'est est-ce que tu arrives à sentir, en étant en interaction avec les dirigeants, que c'est aussi suffisant, on va dire, comme étape d'avoir cette feuille de route? Et que derrière, ils sont vraiment connectés à ça et que ça va, vraiment dérouler sur des plans d'action et que ça va vraiment avancer. Mmh. Ou est-ce qu'ils sont encore un petit peu flottants ou hésitants ou face à des difficultés très opérationnelles de se dire ouais, c'est trop bien, on a une super feuille de route, mais pour la mettre en place, qui, quoi, comment, avec quels moyens, quoi. Ouais, je ne vais répondre pas que pour la CEC, parce que chez Mélibé, on accompagne aussi à mettre en place des feuilles de route, des stratégies et du coup... on accompagne aussi sur la suite à poursuivre. La feuille de route, évidemment, c'est souvent déjà un long exercice de magnétique, hein, d'accouchement pour arriver là. Surtout quand j'ai mis l'idée, notre parti pris, c'est vraiment de le faire avec cette dimension participative. Donc, ça prend du temps aussi d'embarquer, etc. Et d'aboutir à des choses structurantes. Et après, sur la CEC, alors il y a vraiment la dimension collective entre les entreprises. Par contre, il y a moins ce travail fait du collectif dans l'entreprise, puisqu'on n'a que deux personnes de chaque entreprise qui sont là. Et du coup, on les incite beaucoup à penser à cet embarquement et de leur partie prenante, notamment les collaborateurs. Et du coup, tout ce travail-là, déjà, prend du temps, mais en fait, c'est que, on va dire, le début. Une fois qu'on en est à la feuille de route, ensuite, ce qui va faire de l'impact, c'est la mise en œuvre et c'est la réalisation concrète du résultat. Et évidemment, c'est un chemin complexe et qui est fait d'essais et d'erreurs pour tous. Et puis, dans ces contextes d'entreprise,
et les gens changent. Il y a aussi des personnes qui partent, qui arrivent, etc. Donc, il faut embarquer. Et parfois, il y a des leaders qui partent sur ces mêmes personnes, qui sont leaders sur le mouvement de initié sur la feuille de route et qui s'en vont. Donc, forcément, ça vit. Et selon les entreprises, on voit très bien que bah, la poursuite derrière n'est pas la même. Moi, quand même, ce que je constate, c'est que bah, les entreprises, en tout cas, qu'on continue à voir hein, derrière, sur la partie libé, celles sur qui c'est celles qui ont mis en place quand même un comité de personnes dans l'entreprise qui sont vraiment en charge du pilotage. C'est pas juste une personne qui est dédiée à la RSE, c'est plusieurs personnes. Enfin, ils ont transversalisé en fait le sujet d'impact sur plusieurs métiers. Et aussi d'avoir des rendez-vous un peu avec lui en tant que personne externe pour se dire on a des jalons parce que faut qu'on ait des résultats et qu'on avance. Quoi. Donc se donner un peu des jalons parce que sinon ça on revient vite à cette priorité du quotidien. Quoi. Et pour la CEC, le mouvement est encore jeune et en construction, mais du coup. Je t'ai parlé du parcours des entreprises. Il y en avait eu du coup un au niveau national. Moi, là, je parlais du parcours Hype de l'année dernière, celui qui vient de démarrer en 2024. Et en fait, on met aussi en place un parcours pour les alumni, ceux qui ont déjà fait le parcours sur le territoire, pour qu'ils continuent à se voir, qu'ils continuent à s'entraider. Et l'idée même, l'ambition de l'année prochaine, c'est pas de renouveler sans cesse des parcours pour les nouveaux participants, mais là, après, ça va être plutôt de se concentrer sur l'accompagnement pour la suite, pour la mise en œuvre des feuilles de route. De ceux qui ont déjà fait ça. Parce que c'est là que l'impact va se trouver, en fait. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur les leviers que vous avez, que tu as ou que vous avez imaginé pour accompagner au mieux la conversion de la feuille de route à la mise en œuvre opérationnelle? Parce que moi, j'ai le même sentiment, voire constat, quand j'accompagne aussi des directions, c'est si jamais il n'y a pas vraiment un accompagnement sur ce passage-là, il y a vraiment un nœud bloquant assez énorme et assez partagé, quel que soit le secteur ou quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, est-ce que vous avez imaginé des choses assez concrètes pour être sûr que ça puisse bien se passer? Ou est-ce qu'il y a des choses déjà qui ont été testées de ce que tu connais, qui fonctionnent bien et qui pourraient être des bons tips à partager à d'autres? Là, je vais vraiment plus parler au niveau de mon expérience chez Medibé. Enfin, pour le coup, c'est vraiment notre démarche du travail en intelligence collective qui permet derrière d'avoir un vrai une implication. Parce que quand on fait les choses dans une démarche classique où on va faire appel à un consultant, un conseil qui va venir nous faire un diagnostic, nous donner des recommandations et puis livrer ça, si derrière personne ne sait c'est quoi le problème de départ ça se rattache à quoi comme problème plus large dans la société, en quoi je suis touchée même au niveau de mon cœur, au niveau de mes émotions, au niveau de moi en tant que citoyen, parce que les gens dans les entreprises sont des personnes, sont des humains, sont des parents, sont des citoyens, sont des personnes qui ont des familles, etc. S'il n'y a pas du tout si on ne vient pas du tout parler à ces humains sur comment ils sont concernés bien au-delà des sujets de l'entreprise, il y a quand même peu de chances derrière que s'il s'agit d'aller mettre la main à la patte sur des actions qui sont qui peuvent être un peu fastidieuses hein, quand il faut suivre des indicateurs pour voir si on a réduit ses impacts, mettre en place des nouveaux processus, des nouvelles procédures pour réduire à des impacts ou penser à des nouveaux modèles d'offres, de services et qui soient pertinents, on va dire justement au regard des enjeux environnementaux sociaux. Il n'y a pas d'implication possible si on n'a pas embarqué les gens en préalable. Pour nous, vraiment, c'est cette dimension de travailler en collectif. Alors, ça ne veut pas dire que toute l'entreprise peut travailler. Enfin, on peut pas aller on a travaillé l'année dernière avec un hôpital de 5000 collaborateurs. On ne peut pas faire ça avec tout le monde, bien évidemment, mais on sait que si on embarque les personnes de la direction, des managers, des personnes qui sont représentatives de différents métiers, déjà, on a un panel de personnes assez impliquées qui ont une vision un peu à 360 degrés, à eux tous ensemble sur l'entreprise et donc sur ce qu'il est possible de faire. Et surtout, qui vont aussi derrière relayer
et être ambassadeur en fait pour les opérations. Donc, pour nous, il y a vraiment ça c'est souvent perçu comme peut-être trop demandeur de temps, coûteux au démarrage en investissement, mais en fait sur la suite, c'est ça qui a des résultats. Et du coup, que ce soit voilà, sur des grosses structures ou des PME, c'est plus une entreprise, 25 personnes qui a fait sa démarche, ou celle où il y en avait 80, mais 35 se sont mis sur la démarche, bah, c'est là où, ça, où il se passe des choses derrière. Et surtout, on a des retours souvent de collaborateurs qui nous disent mais merci en fait, d'avoir ouvert les portes à ce qu'on soit impliqué. Dans ces questions-là, dans ces sujets-là, parce que souvent la direction ne sait pas trop en fait comment l'impliquer, hormis sur des sujets très du saupoudrage de petites actions. Un truc qui me vient directement lié à ce que tu dis et que je constate aussi pas mal avec d'autres rencontres, d'autres interviews avec les dirigeants avec lesquels j'ai pu connecter, c'est tu parlais du manque de moyens. En fait, j'ai l'impression que si on descend de plus en plus concret, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment l'un des nœuds bloquants, quoi. C'est, il n'y a pas forcément le temps, parce qu'il y a le day-to-day job, et il n'y a pas forcément les moyens, parce qu'on est aussi dans une conjoncture actuelle où avoir des budgets, quand on est une PME ou même une ETI, pour se payer de l'accompagnement externe, ce n'est pas forcément gagné. Est-ce que toi, tu constates un peu le même climat économico sur les PME et les ETI, et les mêmes types de nœuds qu'il peut y avoir, ou est-ce que t'en vois d'autres, ou est-ce que toi, t'as réussi à trouver un petit système pour arriver à lever ces blocages-là? Alors, c'est la question, est-ce qu'il y a d'autres nœuds sur le fait de s'engager dans des démarches de questionnement sur les impacts, de stratégie là-dessus? Ouais, parce que j'ai l'impression qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a de plus en plus, notamment grâce à la CEC, des directions qui ont vraiment compris l'intérêt de le faire de manière la plus coopérative possible, en intégrant les parties prenantes. Enfin, tu vois, l'intention est là. Mais après, concrètement, quand il faut mobiliser, en effet, pour faire des ateliers d'intelligence collective ou mobiliser des personnes qui vont être co-responsables du sujet sur une certaine quantité de leur temps, il y a une sorte de limite, une sorte de plafond de verre de 10, 15, 20% de temps qui peut être alloué aux différentes personnes sur des moments de la semaine qui sont peut-être un petit peu compliqués des fois parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre la tête dedans. Donc des fois, on se retrouve dans un truc où ça va patiner. Et ça encore, c'est quand l'entreprise est rentrée dans la démarche. Et donc du coup, c'est déjà un super, super pas d'avance. Mais des fois, avant, ça bloque même sur la partie... on n'est pas capable, on sent qu'on n'est pas capable d'y arriver tout seul, parce que justement, on a trop la tête dans le guidon, donc l'accompagnement là est bienvenu. Mais par contre, en termes de budget, c'est compliqué de pouvoir se payer de l'accompagnement externe. Est-ce que toi, tu fais les mêmes constats ou... Bah oui, et en même temps, moi je crois que... Parce qu'il y a... Évidemment, les entreprises ont des budgets limités là-dessus, mais il y en a quand même qui sont prêtes à mettre de l'argent dessus et d'autres pas. Et pour moi, c'est quand même ça vient des personnes qui ont compris l'enjeu, en fait, et qui ont compris qu'on est sur des sujets complexes, que c'est pas juste une, deux ou trois personnes dans l'entreprise qui peuvent s'emparer de ça, mais qu'il y a vraiment une nécessité d'y aller ensemble. Donc, moi, j'ai pas l'impression d'avoir trouvé une solution ou quoi. Je crois que c'est juste que il y a des personnes qui ont fait un chemin et qui ont saisi l'enjeu, l'ampleur, et du coup, qui se disent, en fait, il faut que je mette des moyens là-dessus parce que je serai plus résilient derrière. Et ça vient, je pense, parce que, tu vois, on parlait tout à l'heure de ce qui évolue trop lentement par rapport à l'urgence, et en même temps, je te disais, il y a 5 ans, quand j'ai commencé mes guidées, je voyais pas du tout les mêmes types de réceptivité. À des discours, à des entreprises, ou alors, c'est plus nouveau, il y a vraiment une espèce de effet boule de neige sur, il y a des entreprises qui se sont engagées, ça fait 25, 35 ans, et donc, petit à petit, il y en a d'autres qui suivent, et ça devient de plus en plus, on va dire, inévitable aujourd'hui de se centrer là-dessus, et d'autant aujourd'hui que la réglementation commence à se muscler, notamment avec la CSRD du niveau. Mais moi, j'ai pas la prétention de me dire que j'ai trouvé quel levier. J'ai l'impression que ça vient plus d'un changement de conscience dans le système, quoi.
Yes. Donc, non, je te demandais ça parce que c'est vrai que quand on est accompagnant externe et qu'on est engagé dans ces sujets-là, on peut avoir différentes ambitions. On peut se dire, j'ai envie de pouvoir répondre aux besoins exprimés par ceux qui ont déjà cheminé, donc notamment par exemple des dirigeants qui sont passés par la CEC, qui ont une feuille de route, ou qui ont été sensibilisés par d'autres types de rencontres ou d'expériences. Donc ça, forcément, comme tu dis, vu qu'ils sont déjà éclairés sur le sujet, qu'ils ont capté qu'il y a des choses qui allaient être de plus en plus resserrées dans tous les cas, même sur un point de vue légal, ils se disent, bon, quand même, ce serait pas mal de bouger maintenant, donc allons-y. Mais j'ai pas forcément le recul, j'ai pas forcément la perspective suffisamment complète. Donc là, l'accompagnement va venir m'aider à pouvoir le faire et let's go. Et puis il y en a d'autres qui se disent travailler en local ça peut être pas mal, travailler avec des écosystèmes d'affaires qui sont proches ça peut être pas mal. Et donc là on arrive sur une temporalité qui est un peu en amont de ça, qui avec des dirigeants qui sont pas forcément encore conscients de ces enjeux-là, qui ont peut-être même pas ça dans leur prisme quotidien et qui sont en train de dérouler une activité économique où du coup ils vont devoir réagir aux obligations légales au fur et à mesure. Et donc, eux, ils ont besoin potentiellement, alors, soit il y a différentes perspectives, mais soit ils ont besoin d'avoir des leviers pour pouvoir sensibiliser ou faire comprendre. C'est un peu aussi l'idée de ce podcast, hein, c'est si jamais il peut y avoir des petits tips à l'intérieur à récupérer pour sensibiliser ou ouvrir quelques petites portes, ça peut être pas mal. Soit sinon, c'est de se dire, est-ce qu'on redirige tous ces dirigeants vers des parcours comme la CEC, parce que c'est ces parcours-là qui vont permettre de pouvoir ensuite faire la suite du travail. Parce qu'il y a un effet d'entraînement, quoi. Alors après, comme tu dis, il y a aussi les écosystèmes de dirigeants qui se montent, notamment ceux qui sont sortis de la CEC, qui peuvent peut-être être des sortes de clusters de direction qui sont des bons accueils. Il y a peut-être aussi tout simplement les clubs ou les écosystèmes de dirigeants qui sont déjà existants. Voilà, on va dire pour les profils de direction qui sont un tout petit peu en amont par rapport à cet engagement ou cette sensibilité, est-ce que toi, du coup, tu essayes des fois de venir activer des choses ou est-ce que tu restes vraiment sur les profils qui sont déjà convaincus et en démarche? Déjà, tu vois, chez Melibé, on fait des interventions dans le réseau Germe. Alors, le réseau Germe, c'est un réseau de managers qui est une émanation de l'APM qui est lié à un réseau de dirigeants. Donc, nous, par exemple, on a une journée d'intervention sur les sujets de entreprise, développement durable, sens au travail, parce que ça, c'est un sujet qui connecte avec les préoccupations des managers. Et là, on se confronte à vraiment une variété de personnes de rapports au sujet de la transition. Et on est prêt. Ça peut être des personnes qui. Tu vois, moi, j'ai des groupes où j'avais des personnes qui étaient dans des entreprises qui avaient déjà fait un parcours de la CEC, et puis d'autres qui n'avaient jamais. T'es jamais posé de questions là-dessus, pas, et tu n'avais jamais fait de lien avec les questions sur ce travail, d'ailleurs. Non, on travaille aussi là-dessus. Après, Noélie, on travaille aussi en fonction des demandes et des sollicitations qu'on reçoit. On va avoir des entreprises qui sont déjà avancées, mais il y en a, justement, notamment avec la CSNV, là, qui commence à arriver en vraiment très peu avancée. Et donc, il y a un travail de sensibilisation et d'appropriation au démarrage qui n'est pas le même que sur les entreprises qui déjà, je n'ai vu pas ce qu'on est les bâtiments. Mais il y a juste un truc que tout à l'heure, on parle d'entreprise régénérative et pour moi, on n'a pas un peu qualifié de quoi on parle quand on parle de ça. Et c'est un sujet important. Parce que le concept d'entreprise régénérative est de plus en plus on va dire étoffé par des recherches aujourd'hui, par des acteurs qui font aussi des expérimentations dans les entreprises. Mais quand même, ce que je voudrais préciser sur le concept d'entreprise régénérative, c'est pas juste l'entreprise qui. Enfin, c'est pas le nouveau terme pour dire développement durable ou l'entreprise responsable ou l'entreprise à impact positif. Et d'ailleurs, il y a un risque en fait que ce soit utilisé comme le nouveau mot à la mode parce que ça sonne bien et que ça fait du bien d'entendre un terme positif dans une période où on est quand même face à des inquiétudes fortes. Sauf que le concept régénératif, c'est ce que ça implique,
c'est que l'entreprise vise. Alors déjà, il y a une question de transformation de modèle d'affaires. Donc, viser dans la transformation du modèle d'affaires à réduire les impacts négatifs au maximum, ces impacts négatifs, que ce soit sur l'environnement, sur les limites planétaires ou sur la société, sur les collaborateurs, sur les fournisseurs, sur les clients, etc. Et par ailleurs, il y a un mouvement de générer de l'impact positif. Donc ça veut dire capter du CO2, régénérer des sols, de la biodiversité, ramener de la vie dans le vivant, quoi, dans le vivant non humain et dans le vivant humain aussi. La façon dont les équipes se sentent dans l'entreprise, la façon dont les clients vont interagir avec l'entreprise et vont être considérés en termes de parties prenantes pour lesquelles on doit agir pour la santé, pour le bien-être, etc. Donc voilà, il y a toute une dimension d'impact positif. Et donc le mouvement, c'est vraiment d'arriver à créer de l'impact positif net au global. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est difficile de tout quantifier. Il y a des choses qu'on mesure bien, le carbone, la biodiversité, on commence à mesurer des choses, etc. Mais donc en fait, dans l'idée, c'est vraiment d'arriver à créer plus d'impact positif et de rendre plus de services positifs que ce qu'on détruit. Et du coup, ça implique forcément de renoncer, et notamment à la logique volumique, puisque en fait, dans le système dans lequel on vit aujourd'hui, il y a des limites planétaires qui nous montrent qu'on est dans un système qui a une finitude. On a une croissance de population mondiale. La population mondiale a doublé depuis 50 ans. Elle ne va pas s'étendre de façon indéfinie, mais quand même, on ne peut plus consommer les ressources de la Terre de la même façon qu'il y a 50 ans. Et donc, tout ça, ça implique de revoir la façon dont on pense le modèle économique. Et donc, ça implique un changement de pensée en amont. Donc la dimension entreprise régénérative, c'est pas simplement le modèle d'affaires, c'est aussi le changement culturel, le changement de paradigme, comment on considère l'entreprise comme un organisme vivant qui elle-même se situe dans un organisme, dans un monde vivant, un écosystème, et comment on va créer une entreprise. Enfin, tout ça, c'est ces changements de paradigme qui vont aussi amener à se pencher sur comment les organismes vivants fonctionnent. Donc, on va s'inspirer des principes du vivant. Comment on peut avoir une pensée régénérative. Il y a tout un courant de pensée qui a été théorisé, notamment aux États-Unis, sur la pensée régénérative, où on ne va plus penser le rapport entre parties prenantes comme étant une négociation, mais comme devant devenir comment on peut travailler entre parties prenantes pour co-créer, en fait, et pour faire advenir des potentiels qu'on n'avait pas forcément au départ. Donc, en fait, l'entreprise régénérative, c'est tout ça. C'est pas ce que je disais tout à l'heure, c'est plus un chemin, c'est plus une trajectoire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un modèle applicable qui serait applicable à toute entreprise en disant, voilà, il faut faire ça pour être régénératif. En fait, c'est chaque entreprise qui va créer dans son écosystème et dans son territoire, avec les acteurs qui sont autour, la façon de se reconnecter au vivant humain et humain pour le régénérer. Et c'est toi, dans tes expériences vécues d'accompagnement, tu as tendance à plus travailler sur la reconnexion, la régénération de l'humain ou du non-humain, ou est-ce que tu as un équilibre entre les deux? Je pense qu'on a plus tendance à aller faire travailler sur la dimension du lien au vivant non-humain, parce que c'est quand même celle qui est la moins conscientisée aujourd'hui. Même si on utilise des approches holistiques, systémiques, il n'y a pas de schéma un peu cognitif. Souvent, si tu représentes en cercle concentrique l'écosystème d'une entreprise, tu as l'entreprise qui est un cercle, autour t'en as un qui est la société, et autour t'en as un qui est la biosphère, la planète Terre, quoi. Et en fait, il n'y a pas d'entreprise possible s'il n'y a pas de société possible, s'il n'y a pas de planète Terre existante, en fait, qui permet à la vie d'exister, parce que la planète Terre existera avec Dieu. Là, je schématise, mais c'est souvent, pour moi, un exemple assez symptomatique du fait que les entreprises ne se représentent pas cette partie de sphère comme leur partie prenante, c'est que quand tu leur demandes de définir leur partie prenante, elles
j'arrive assez bien à définir mes parties prenantes proches, voire moins proches dans la société, mais la biosphère, c'est jamais une partie prenante, en fait. Et or, s'il n'y a pas de ressources de matières premières, de minerais, d'hydrocarbures, de bois, d'eau, d'atmosphère, il n'y a pas d'activité économique possible. Puisque même si on n'est pas directement l'activité de service, on ne va pas utiliser ça directement pour générer son activité, mais elle dépend d'acteurs qui, à la base, qui, eux, dépendent de ça pour créer de l'énergie, pour créer des transports, etc. Donc, en fait, il y a vraiment cette prise de conscience à sentir qu'on fait partie d'un tout, et surtout, réapprendre à savoir qu'on est interdépendant dans ce système et que c'est ça qui nous rend à la fois, si on comprend et qu'on commence à agir sur cette coopération dans l'écosystème, on devient plus robuste. Par contre, si on pense que on va y arriver tout seul, en fait, c'est là qu'on se rend de plus en plus vulnérable. Et donc, voilà, pour répondre à ta question, et même nous, on va peut-être plus aller donner des exemples inspirants sur des entreprises qui ont activé plus cette dimension de reconnexion au vivant non humain, mais on est des entreprises qui nous demandent aussi de les inspirer sur la dimension humaine et sociale, parce que même si on est dans un pays où le droit social et le droit du travail est peut-être plus poussé que dans bien d'autres pays, n'empêche qu'il y a encore beaucoup d'inégalités, d'inscrimination, de façon de fonctionner dans l'entreprise qui sont absolument pas rémunérées. Yes. Souvent, quand on en arrive là, à ces discussions, on est sur des concepts qui sont souvent abstraits. Et ça peut être intéressant d'essayer de les ancrer dans du concret pour que ça soit plus clair. Est-ce que tu pourrais, si tu as l'envie et la possibilité, nous partager un cas exemple concret vécu de travail? Alors pas, comme tu le disais, c'est pas régénération complète ou la création complète d'une entreprise régénérative, mais un cas qui pour toi est assez marquant et qui est inspirant d'une entreprise qui est dans une démarche de régénération. Je réfléchis aussi à ce que je peux partager comme ça. Je vais te partager déjà un exemple qui est celui d'un accompagnement de Mélibé, et après, je pense que je partage quelque chose, parce que pour le coup, là, on n'est pas dans ce que je vais partager. Pour moi, on n'est pas dans une approche à visée régénérative encore. Et après, je voudrais que je te partage quand même un cas CEC, bien très peu sous lequel nous plus loin. Après, tu as le droit de taire le nom de l'entreprise ou d'anonymiser si jamais, ouais. Si jamais c'est trop touchy ou s'il y a des NDA ou quoi que ce soit. Je prendrai pleinement. Non, l'exemple que je trouve intéressant, c'est le travail qu'on a fait. Tu me dis en tête parce que c'est quand même assez marquant aujourd'hui. Alors, c'est pas une entreprise classique. Donc, je te parlais d'accompagnement d'un hôpital avec lequel on a travaillé l'année dernière. On a été sollicité par la direction de la stratégie de l'innovation parce que les hôpitaux ont l'obligation de mettre en place un projet d'établissement tous les 5 ans. Donc c'est en gros la stratégie de l'établissement en pluriannuel. Et là, l'équipe de la direction de l'innovation avait décidé de mettre le sujet de la RSE au centre du projet. Ce qui a été intéressant, et c'était une première, parce que normalement, ces projets d'établissement au niveau des hôpitaux sont toujours des projets vraiment, on va dire, qui se concentrent sur la dimension médicale. Et là, il y a vraiment eu cette idée de dire, en fait, on est un acteur de la société, il faut aussi qu'on travaille notre dimension responsable. Et puis de comprendre aussi qu'en fait, santé et environnement, c'est lié et tout ça. Pour concrétiser un peu comment ça s'est passé, on a travaillé du coup sur à peu près 6 mois avec un temps de séminaire où il y avait à peu près, je crois, 200 et quelques personnes invitées parmi ces équipes. On a fait venir des intervenants extérieurs pour inspirer sur des sujets liés avec les dimensions de la RSE, donc
en dimension climat, déchets dans l'hôpital, des dimensions de santé environnementale, etc. Et puis aussi des dimensions sur comment le rapport aux patients, sur le rapport au management, etc. Parce que c'est des sujets à l'hôpital qui sont clés. Parce que bien souvent, la RSE est pas... Souvent, les gens, d'ailleurs, quand tu leur demandes de dire ça veut dire quoi, RSE, il y en a qui disent responsabilité sociale et environnementale, responsabilité sociétale des entreprises, mais et souvent, d'ailleurs, on ne met que la dimension environnement ou que la dimension... Enfin, il y a vraiment cette confusion dans ce qu'on met derrière le sujet. Donc voilà, déjà là, il y avait un peu cette idée de dire on va déjà traiter des sujets qui sont assez divers pour montrer qu'on parle de... En fait, pas de RSE, on parle de... Des plans de sujets différents qui sont liés à l'environnement, aux collaborateurs, à la gouvernance, etc. Donc, on a fait ce temps de séminaire et on a aussi collecté beaucoup d'idées pendant ce temps de séminaire sur les différents sujets de. On s'était appuyé à ce moment-là sur la norme ISO 26000 qui découle en 7 piliers les sujets de la RSE. Donc, on avait une énorme remontée de matière comme ça et après, on a fait travailler les équipes. D'une façon plus restreinte avec un groupe d'une trentaine de personnes représentant de gens de la direction, mais pas que, aussi des personnes qui étaient plus sur le terrain, des médecins, des infirmiers, les cadres administratifs, etc. Et là, on a travaillé d'abord sur la raison d'être de l'établissement. Et nous, on travaille toujours, quand on fait travailler la stratégie, en fait, on fait toujours travailler d'abord la raison d'être. La raison d'être, c'est vraiment ce que nous caractérise comme l'élan vital, la singularité de l'organisation. Parce que si on comprend, si on s'appuie là-dessus, on va trouver les forces et les leviers d'action que l'entreprise peut avoir pour agir de façon, on va dire, là où elle a une vraie force à agir. Donc, on a fait émerger cette raison d'être, et c'est un vrai travail d'alignement aussi des équipes. Hein. Bien souvent, c'est sur la raison d'être qui peut être perçue comme un truc assez abstrait, mais en fait, derrière, on dégage une vraie boussole de prise de décision stratégique pour l'entreprise et on se met d'accord aussi sur des choses sur lesquelles, des fois, il y a un peu un désalignement entre des valeurs et la façon d'agir dans l'organisation. Donc, la deuxième étape, c'est de travailler sur la vision, sur quel changement souhaitable on veut voir advenir. Ça, c'est fait. On débat pour ça chez Melibé, notamment très influencé par les formations qu'on a eues à l'Institut des Futurs Souhaitables. Et avec cette idée de dire, si on veut se mettre en mouvement et viser du changement positif, on ne peut pas y aller sans avoir défini vers quoi, quelles ambitions on a. Et donc là, pareil, on a fait ça en co-construction avec des outils diversifiés dans l'établissement. Et une fois qu'on a eu tout ça, en fait, quand t'as fait émerger la vision, la raison d'être, et qu'on a fait aussi émerger pas mal de matière au début, comme je t'avais dit, venant de tous les services, qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme action concrète, de là, on a dégagé des axes stratégiques, en fait, et qui sont devenus, du coup, les piliers du projet d'établissement, qui ont été déclinés ensuite on a refait travailler les équipes sur si on pousse les axes stratégiques, qu'est-ce que vous verriez dedans, qu'est-ce qu'on devrait faire. Et donc, voilà, il y a comme ça 5 axes stratégiques avec dedans une déclinaison en 3, 4, 5 objectifs avec des sous-actions. Donc voilà comment on a posé les choses. Et surtout, ce qui était important dans le temps sur la vision, on a redonné. On fait travailler les participants sur c'est quoi justement tous nos impacts sur notre écosystème. Pour ça, on utilise une approche, un référentiel qui s'appelle le FSSD. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, ce sera très technique, mais c'est une approche qui vise vraiment à comprendre. Ah, je partagerai des liens pour aller plus loin sur les outils ou des choses comme ça dont on a parlé. Oui, donc en fait, l'approche du FSSD, elle vise vraiment à comprendre où sont les causes des impacts de notre organisation sur. La durabilité environnementale ou sociale. Et du coup, de voir là où on a de rectifier, là où on va dire appuie sur un bouton où on dégrade la durabilité, essayer de voir comment on peut venir dans une trajectoire plus soutenante pour la durabilité environnementale ou sociale. Et sociale. Donc voilà un des exemples, et ça, enfin. Là, comme ça, quand on en parle, ça a peut-être l'air de rien, mais dans un établissement, dans un hôpital,
faire ce travail dans un hôpital qui pourtant travaille déjà beaucoup à une gouvernance très, on va dire, on s'appuie beaucoup sur les chefs de service, les chefs de pôle, etc., pour prendre des décisions. Donc, il y a quand même une transversalité, une gouvernance assez démocratique. On a eu beaucoup de retours de personnes qui nous ont dit en fait, c'était vraiment utile pour nous d'être impliqués sur ces sujets-là. Et on a compris pendant l'accompagnement de quel sujet on parlait. Parce qu'en fait, au début, quand on nous a parlé de RSE, on a l'impression que c'était un sujet à côté. Mais en fait, c'est de notre métier qu'on parle. C'est de tout ce qu'on fait au quotidien avec nos patients, avec les produits qu'on utilise, avec l'impact qu'on va avoir sur la planète, avec comment on est potentiellement en danger en tant qu'établissement de santé quand il peut y avoir des ruptures d'énergie, etc. Enfin, voilà, c'est de tout ça qu'on parle. Et donc, tout ça pour dire que ça... Bah, c'est un état, enfin, il y a eu à peu près, dans tout le processus global, à peu près 800 personnes concernées d'une façon ou d'une autre par la démarche, je suis allée 5 000. Et ça a été assez plébiscité quand même par les étudiants pour de pouvoir s'investir sur ce sujet-là et de redonner du lien, en fait, aux étudiants aussi. Et derrière, quand du coup vous avez eu les axes stratégiques avec les éléments d'action à mettre en place, est-ce que vous êtes resté justement pour les accompagner, pour s'assurer que ça déroule bien, ou est-ce que vous aviez senti qu'ils étaient suffisamment prêts et qu'ils avaient toutes les ressources pour pouvoir le gérer de l'intérieur? Non, alors, on se pose toujours de pouvoir continuer. Après, c'est des questions de budget. On est à l'hôpital dans un contexte où les établissements publics de santé ont quand même des budgets limités et du coup, en tout cas, par contre, on a beaucoup travaillé avec eux, enfin, on a beaucoup insisté avec eux sur le fait de mettre en place une gouvernance pour le pilotage du projet. Donc, ils ont réintégré, ils ont vraiment pris soin de, et ça, enfin, c'était vraiment une évidence pour eux, mais de réintégrer dans leur gouvernance le pilotage stratégique existante, le pilotage de ce projet-là. Alors, après, et en plus, comme on a quand même le retour qu'on nous fait aussi, c'est que comme on a mis en place ces ateliers participatifs, ils ont pu tester cette façon de fonctionner et ça les a aussi familiarisés. Et pour certains, ils se sont emparés un peu de. Ils ne sont pas devenus des facilitateurs en intelligence collective, mais voilà, ils ont quand même réussi à remener des temps comme ça parce qu'on est un peu outillés pendant la démarche. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est qu'ils s'utilisent là-dessus. Ouais, de eux-mêmes, du coup, il y a eu des profils qui se sont dit on va refaire des ateliers, on va reprendre cette posture de facilitation, on va profiter de ce qu'on a appris, sans forcément que ce soit vous qui soyez là à remettre des pièces. Je ne dis pas que c'est parfait, etc. Hein, mais ce que je dis, c'est que ça quand même, quand on est sur des démarches de temps long, ça laisse une pratique, en fait, ça a une culture. Ça a réussi à apprendre un petit peu, quoi. Ok, super. Merci pour ce partage. Et du coup, j'imagine que même s'il y a pas forcément, si vous n'êtes pas forcément en accompagnement direct, tu continues à suivre un peu comment ça évolue et si justement les actions avancent. J'espère que ça se passe bien. Oui, après, c'est encore intéressant parce que c'est un projet qui a été finalisé en début d'année. Donc, on n'a pas beaucoup de recul encore sur ce qui arrive. Où est-ce qu'ils en sont? Il faudra que je réinterviewe dans 2 ans, alors, pour avoir le recul dessus. Ouais. Après, voilà, tu me parlais d'autres exemples d'entreprises. Pour la CEC, qu'est-ce qui serait le plus pertinent? Parce que j'aimerais bien quand même illustrer de quoi on parle par régénératif, tu vois. Parce que je trouve que l'envie. Enfin, on va mettre un peu d'être dans un podcast qui parle de régénératif sans parler de d'entreprises qui sont vraiment dans un cheminement vers la vie régénérative. Mais du coup, l'exemple qui me vient, ça d'une entreprise que j'ai. Alors, il faut savoir que dans la CEC, depuis Ecofab, je te parlais tout à l'heure, on accompagne un groupe d'une dizaine d'entreprises, sachant qu'il y a un collectif de l'année dernière, il y avait 80 entreprises sur la convention Alpes. Ce qu'on appelle des camps de base, 8 camps de base. Là, je te parle d'une entreprise qui n'était pas dans mon groupe, pas dans mon camp de base, hein, mais que je trouve assez intéressante pour l'évolution qu'elle a faite. Donc, c'est une entreprise qui est basée sur un territoire alpin, qui est une entreprise de service. Elle fait des logiciels à destination de clients industriels. Oui, tu vois, au départ, quand tu es dans ce type de métier, ce n'est pas si simple de se dire comment je trouve la connexion au vivant,
comment je vais pouvoir régénérer du vivant mon humain quand je fais ce type de métier. Et déjà, en fait, ce que j'ai questionné dans leur feuille de route, c'est il faut créer les logiciels qu'on met à disposition des industriels. En fait, il faut qu'ils soient au service de pour aider les clients industriels à réduire leur utilisation de matière. Donc, on va travailler avec nos clients sur comment on conçoit des coopérations, comment on conçoit des logiciels qui leur seraient utiles pour mieux penser leur processus de production et déjà permettre de réduire leur empreinte matière sur des processus de production qui sont une empreinte assez lourde. Comme ça, c'est une dimension de leur feuille de route. Autre dimension de leur feuille de route, c'est pas une énorme entreprise, mais il y a quand même une centaine de collaborateurs. Et du coup, ils ont un site, ils étaient prêts à construire des nouveaux bâtiments pour un local, et en fait, ils ont renoncé. C'est une forme de renoncement. Ça ne fait pas un renoncement d'un modèle d'affaires, mais en tout cas, ils ont renoncé à construire des nouveaux locaux en se disant on va réutiliser ce qu'on a, réagencer, réorganiser. Mais parce que construire, ça voulait dire imperméabiliser du sol, utiliser des matériaux qui sont impactants. Enfin, le BTP, c'est quand même une forte empreinte énergie, matière, biodiversité, etc. Donc, renoncement. Et à la place, on va créer un site de vitalisation de la biodiversité. C'est pour donner des exemples de rien qu'au niveau du site d'entreprise, on peut faire des choses à l'échelle de son territoire. Et que même des entreprises de services ou des industries, elles peuvent aller se reconnecter au vivant d'une façon ou d'une autre dans leur écosystème. Voilà un exemple. Après, un autre exemple d'entreprise du BTP qui était vachement qui s'est beaucoup questionné sur comment on va faire des constructions qui vont déjà qui vont viser à plutôt désimperméabiliser, revégétaliser surtout réduire l'utilisation de béton, ça c'est sûr, mais aussi comment on va repenser le construction pour favoriser la circulation de l'eau, contribuer en fait à ce que l'eau. Et donc là, on va sur des dimensions de régénération. Donc, comment, dans mon activité, je peux accroître, booster des systèmes de régulation naturelle en fait, qui vont contribuer à pas simplement réduire les limites, les pressions sur les limites sanitaires, mais bien aider ces limites sanitaires. Alors, sûr, encore une fois, pas à des petites échelles, mais si plusieurs entreprises se mettaient à faire ça, il faudrait à peut-être repasser sous des seuils parce qu'il y a des limites planétaires où on n'a pas encore dépassé les seuils irréversibles. C'est vrai que là, sur ces cas que tu nous parles, ça rejoint ce qu'on disait juste avant, mais on est vraiment sur des profils de direction d'humains qui ont la conscience d'eux et qui se disent, il faut le faire, et du coup, j'ai besoin de pouvoir le faire, et au lieu de, par exemple, construire un bâtiment pour l'entreprise, je vais plutôt construire un site qui va servir à redévelopper la biodiversité. Ça paraît assez, singulier, parce que beaucoup de dirigeants, je crois qu'il y a un taux, je ne sais plus exactement le taux de pré-burnout ou de burnout des dirigeants de PME ETI, j'étais tombé sur une étude récemment là-dessus, mais qui est assez haut. Tu l'as le chiffre? Non, je n'ai pas vu, je découvre ce que tu veux. Je croyais. D'accord, il faudra que je retrouve, je le mettrai en lien avec le podcast, mais c'était assez haut, quoi. Je crois qu'on était sur un 15 ou presque un 18%, un truc comme ça. Enfin, voilà, à vérifier et à baquer, mais on était sur un truc assez costaud, et notamment par rapport au fait de la surcharge de travail, et de plein de problématiques que tu as dans le développement de ton entreprise, même pour des directions qui n'étaient pas forcément sur une culture purement de développement et de croissance économique, ne serait-ce que pour la pérennité, pour pouvoir payer les collaborateurs, il y avait un focus énorme qui était sur ça. Et du coup, si en plus de ça, il y a les sujets de régénération et puis notamment de non-humains, ça peut directement paraître une énorme charge de travail en plus à porter. Et quelque part, c'est vrai quoi, dans ces situations-là. Est-ce que tu as déjà réussi à,
à détecter ou toi à co-construire avec des entreprises des jointures intéressantes entre développement économique de l'entreprise et développement écologique de l'entreprise pour que justement on arrête d'être coincé un peu dans ce silotage entre il faut développer la pérennité d'entreprise, donc la partie économique, et en même temps il faut développer l'engagement pour la dimension écologique, et de se dire ben, y a des leviers certainement qui justement en travaillant différemment, en intelligence collective, en coopération avec les parties prenantes, il y a des choses qui émergent, qui deviennent des opportunités aussi économiques, et donc hop, on commence à pouvoir connecter un petit peu le développement de l'entreprise de manière oui. globale. Oui, en fait ça... Pour moi, dans l'approche que nous on porte chez Menibé et puis dans ce qui se passe à la CNC, c'est complètement objectif. Enfin, c'est pas de. En fait, ces sujets d'impact, ils viennent pas juste s'ajouter. Ils doivent faire partie de la stratégie d'une entreprise. Ils doivent être la boussole et la paire de lunettes avec laquelle on réfléchit. Et dans l'entreprise à visée régénérative, bien sûr que l'entreprise doit être rentable. Par essence, c'est le rôle de l'entreprise. Mais elle peut très bien piloter. Son développement d'activité par logique de comment œuvrer pour plus de justice, enfin, si je mets dans des grandes cases, mais plus de justice sociale, plus d'équité et plus de prendre soin de la planète. Du coup, en exemple, ça me fait penser à un accompagnement qu'on avait fait il y a trois ans. Une entreprise qui est dans le secteur du tourisme, qui a plusieurs activités support pour des acteurs indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. Et du coup, ont mis en place une centrale d'achat, en fait, parmi leurs différentes activités, leurs différentes offres, une centrale d'achat pour des hôteliers, des restaurateurs indépendants. Que ces indépendants puissent bénéficier en fait d'achats plus avantageux comme des grands groupes. Donc voilà. Et quand on a fait nous ont sollicité pour une démarche RSE, on a commencé à travailler avec eux. Et en fait, dans la démarche, parce qu'on utilise là aussi on utilise la démarche FSSD, donc je t'ai parlé tout à l'heure, ils ont compris que le gros de leurs impacts, ça venait de cette centrale d'achat. Donc c'était pas directement eux qui générait cet impact, parce que cette centrale d'achat, elle est alimentée par une multitude de fournisseurs. Mais du coup, ils se sont dit, effectivement, si on ne questionne pas ça, on ne va pas du tout changer notre impact. Quoi. Donc, entre autres choses, ils ont décidé de évaluer tous les fournisseurs qui étaient auxquels ils avaient recours pour cette centrale. Alors, au regard d'un référentiel qui n'est pas... Je me sens pas suffisamment exigeant aujourd'hui, mais c'est le référentiel EcoVadis. Mais bon, c'est déjà un référentiel qui a mérité d'exister, donc ils ont fait ça pour évaluer tous les fournisseurs et demander à tous les fournisseurs en fait de se mettre à la hauteur d'un certain nombre de critères progressivement. Et donc l'objectif. Alors après, ça c'était l'objectif initial et je sais pas en termes de faisabilité. Ils ont avancé pour l'instant à ce stade, mais tout ce travail de notation, de faire ressortir dans leur algorithme les fournisseurs qui sont les plus, on va dire, vertueux pour les clients, et à terme, de se dire, on se séparera des fournisseurs qui n'auront pas voulu prendre le pli. Donc, c'est pas un truc radical, genre du jour au lendemain, mais c'est d'accompagner son écosystème. Puis bon, après, à un moment donné, au bout d'un certain temps, ceux qui n'ont pas voulu suivre, tant pis pour eux, quoi, je viens de dire. Mais donc, voilà un des exemples d'entreprise qui se dit, en fait, moi, ça fait partie de ma création de valeur, hein, ça représente une grosse part du chiffre d'affaires, je vais travailler là-dessus. Quoi. On n'est pas encore ici dans le régénératif, mais dans une charge de réduction de l'impact, bien sûr. Autre exemple auquel je pensais. En tout cas, on est sur une... Vas-y. Ouais, non, c'était juste pour rebondir rapidement. On est sur proche d'un sujet de renoncement, comme tu disais. Je trouve que c'est important pour pas mal d'entreprises. C'est le rapport avec les fournisseurs ou même des fois le rapport avec les clients. Mais de se dire que oui, si jamais on a vraiment envie de viser quelque chose de plus régénératif, soit c'est d'avoir une vraie discussion, une vraie coopération avec les fournisseurs pour devenir en fait par relais un agent aussi de transformation de ces fournisseurs, de leur manière de produire, de leur manière de faire leur
services, quoi, leurs objets, leurs produits, soit c'est d'arriver à développer d'autres relations avec d'autres fournisseurs. Et c'est vrai que des fois, c'est difficile parce qu'on a des fournisseurs qui sont historiques, on a des habitudes depuis 10 ans, on a des prix qui sont énormément au rabais parce que justement, c'est un peu un copain ou on connaît depuis pas mal de temps. Et donc là, d'un point de vue économique, d'un point de vue relationnel même, on se retrouve avec des choses qui peuvent être assez touchy, quoi. Mais en même temps, qui sont cœur, comme tu le dis, pour cette entreprise où ils se sont rendus compte que c'était le plus gros point de leur emploi, quoi. Et autre exemple auquel je pense qui émane de la CEC, donc là c'était une entreprise qui fait un collectif que j'ai accompagné l'année dernière. Le métier c'est d'accompagner des entreprises à faire de l'optimisation financière, en fait, à savoir comment aller chercher des gains financiers, notamment sur des dépenses liées aux charges sociales, et tu as des seuils sur lesquels tu es exonéré de charges, etc. Enfin voilà, d'aller aider les entreprises là-dessus. Enfin, ça, c'est un exemple de ce qu'il faut d'autres, mais optimisation financière. Et donc, ils ont fait la CEC et ils se sont dit, mais en fait, nous, si on fait de l'optimisation, à quoi on sert? Si on fait de l'optimisation financière pour que les entreprises gagnent juste plus d'argent et continuent toujours à faire leur business model classique, dommageable, ça n'a pas de sens. Mais si cet argent libéré pouvait servir à financer la transition de l'entreprise, ça devient intéressant. Et du coup, là, ils se sont dit, en fait, on a développé une offre d'accompagnement à l'optimisation financière avec un fléchage de l'optimisation vers les sujets de transition, et puis aussi d'aider les entreprises à aller trouver des financements pour travailler sur son bilan carbone, sur sa trajectoire bas carbone, sur d'autres sujets, voilà, où il peut y avoir des financements publics. Et donc, voilà, ils sont en train de lancer ça. Ça fait pas longtemps, etc. Et donc là, il y a tout un travail aussi de sensibilisation du client à faire ton client arrive avec une demande. C'est pas forcément sa demande initiale, parce que surtout à là où ils en sont, ils sont pas forcément connus encore pour cette offre-là. Mais de dire, voilà ce qu'on peut aussi vous proposer. Et à une époque où de plus en plus d'entreprises cherchent à financer leur transition, voilà une idée de renouveau de business model. Ouais, c'est super intéressant. Je pense que c'est un sujet qui est cœur, surtout en ce moment, comme tu le dis. Il y a peut-être les intentions de pouvoir, c'est ce qu'on disait au début, mais de vouloir rentrer dans une vraie démarche de transition, mais il n'y a pas forcément les budgets et les moyens. Les accompagnants qui apportent justement des compétences, des outils, des méthodes comme ceux du conseil ou ce qu'on fait nous avec la facilitation, l'intelligence collective, l'accompagnement de direction, nous on n'a pas forcément les moyens financiers pour pouvoir s'auto-payer par intermédiaire. Mais par contre, le fait d'avoir des bonnes alliances et d'avoir une vraie coopération avec ce type de diversité d'acteurs, donc ceux qui servent à travailler à la réduction des coûts, au travail sur les coûts cachés ou quoi que ce soit, si eux sont engagés dans une démarche aussi pour être la plus régénérative possible, ça devient des super alliances parce que derrière, en gros, moi, demain, je travaille avec une direction, ils n'ont pas les moyens de travailler vraiment sur leur transformation. Je vais leur dire, ah, tiens, est-ce que vous avez déjà fait un travail sur la réduction des coûts cachés ou sur l'optimisation? Non, je peux vous mettre en contact avec telle entreprise et si eux font bien leur job, derrière, ça permettra de flécher du budget pour travailler la transformation d'entreprise. Et là, on se retrouve à avoir un petit triptyque qui fonctionne bien pour pouvoir travailler. Ça sera peut-être ma dernière question parce que l'heure avance et après on va être trop long. Et puis je vais trop te bloquer. Mais est-ce que toi, tu as déjà justement en termes de tactique, on va dire, activé des coopérations comme ça avec des acteurs qui sont sur ces dimensions-là, la dimension économique ou autre chose? Je sais pas, est-ce que tu as ton petit écosystème, on va dire, d'organisation qui te permet de pouvoir être plus efficace dans ton intention et dans tes accompagnements? Ce à quoi je pense quand tu me dis ça, c'est, enfin, donc je te disais, chez Melibé, on travaille avec, en partenariat avec d'autres acteurs. Notamment là, on fait un accompagnement avec un cabinet français qui s'appelle We Don't Need Roads. Et avec eux, on travaille sur l'accompagnement à la mise en conformité à la CSRD. Donc, je sais pas si tu précises la CSRD, mais c'est la nouvelle réglementation européenne sur le reporting extra-financier des entreprises, donc qui impose aux entreprises de plus de 250 salariés partout en Europe d'auditer leurs impacts, leurs enjeux sociaux et environnementaux et des risques financiers. Ça aussi pour eux. Et de devoir rendre des comptes là-dessus. Ils vont être audités par les
c'est un instant table. Dans les années qui viennent, ça est en train de se mettre en place. Et donc, cette partie CSRD demande un gros travail de diagnostic de ce qu'on appelle la matrice de biomatérialité. Donc, c'est assez technique. Chose sur lesquelles nous, chez MLB, c'est pas ce qui va nous régénérer de faire ce type d'activité, même si en soi, ça a du sens de le faire. Mais faire un travail de collecte de données sur ces sujets-là, c'est pas là notre force. Et donc on agit en partenariat, nous, sur la dimension beaucoup plus embarquement collectif, définition d'une feuille de route pour l'entreprise qui soit, qui est vraiment une démarche RSE et qui soit complémentaire de cette démarche sur la CSRD, parce que si on se cantonne à la démarche CSRD, on peut arriver sur un exercice de reporting qui, finalement, un, peut avoir peu de sens pour les équipes, et deux, ne pousse pas beaucoup l'ambition très, très loin, quoi. Alors que là, en fait, c'est un travail à côté, disons, raison d'être, quels sont les axes stratégiques sur lesquels on veut pousser. Et voilà, un exemple de partenariat que nous, on est amené à construire, par notre facteur, ce partenaire. Ça vient de façon, j'ai envie de dire, après ad hoc. Pour l'instant, on n'a pas mis en place quelque chose de spécifique. Et ensuite, on est allé chercher ensemble des clients. Très cool. Pour finir, est-ce que tu aurais quelque chose que tu as envie de partager, qu'on n'a pas encore partagé là, en rapport avec, je ne sais pas, Medibé, justement, ou point d'actu, ou ce que tu veux? Peut-être que dans cette dimension régénérative, plus intérieure, moi, ce qui m'anime pas mal et ce que je commence à travailler, même si c'est pas, j'ai pas toujours beaucoup de temps pour l'instant, je trouve pas forcément beaucoup de temps pour le faire, mais ce qui m'anime en tout cas là, c'est je vois bien que du coup, quand je disais, t'as la feuille de route, puis après t'as la mise en œuvre, le passage à l'action, et donc les personnes qui portent ça, qu'elles dans l'entreprise, alors que ce soit la personne qui est en charge de la RSE, ou plusieurs personnes, ou le dirigeant, il y a un vrai, c'est un vrai marathon, quoi, en fait. C'est un truc qui a tenu sur la durée. Il faut se confronter à des obstacles, des échecs, et en même temps se réjouir de petites réussites parce qu'en fait, on ne fait jamais des grands bruits en avant, etc. Et du coup, dans un contexte de plus en plus qui génère de plus en plus d'éco-émotions et qui viennent aussi. Qui peuvent nous fragiliser et nous créer un peu un effet sidération, en tout cas nous figer plus que nous donner de l'action si on ne vient pas libérer ces éco-émotions. Et donc, moi, j'ai envie de travailler de plus en plus à accompagner ces personnes dans les entreprises à venir s'entraider, se ressourcer et aussi libérer la parole sur ces éco-émotions parce que. En fait, si ça m'intéresse, c'est que moi-même, je suis concernée par le sujet et que moi-même, je me suis entourée, outillée. J'ai des pratiques, notamment à travers le crush du travail qui me dit, pour venir prendre soin de ça et en faire des moteurs d'action. Et pas en faire des choses qui viennent bloquer et qui viennent être contre-productives, qui finalement à l'impact n'est pas positif. Donc voilà une des pistes sur lesquelles je suis. Ok, très bien. Et du coup, c'est quelque chose que tu pourras proposer à toutes ces personnes si jamais elles sentent qu'elles ont, elles ont besoin. Toi, tu peux les rediriger. C'est l'idée. Dans un court terme, de commencer ça, je travaille là-dessus avec une autre partenaire, justement, qui est coach. Et du coup, on s'est rencontrés à la CEOC, justement. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer ça. Et super. Écoute, merci pour ton temps, merci pour cet échange. Tu nous as apporté plein de cas exemples, des perspectives aussi sur ce sujet-là, puis des précisions aussi sur le concept en lui-même. Donc, ça vient compléter ce qui a déjà été enregistré et ce qui arrivera plus tard. Donc, vraiment merci pour ton point de vue sur tout ça et puis notamment aussi pour ton énergie et ton engagement sur ces sujets. Voilà. Ça permet de se sentir aussi en résonance avec d'autres qui s'animent là-dessus. Donc, merci pour ça. Merci à toi. Je mettrai tous les liens du coup dans les commentaires et notamment vers ton entreprise, histoire que justement les personnes qui écoutent puissent se connecter, imaginer des coopérations ou tout simplement venir se ressourcer comme tu le disais. Voilà. Merci à toi. Merci.